ça tourne. Poème La Panthère, Rilke. Rainer Maria Rilke, poème La Panthère. Son regard, à force d'user les barreaux, s'est tant épuisé qu'il ne retient plus rien. Il lui semble que le monde est fait de milliers de barreaux, et au-delà, rien. La démarche feutrée au pas souple et fort, elle tourne en rond dans un cercle étroit, la panthère. C'est comme une danse de force autour d'un centre, où se tient engourdie une volonté puissante. Parfois se lève le rideau des pupilles, sans bruit, une image y pénètre, parcourt le silence tendu des membres, et arrivant au corps s'évanouit. Ça c'est pour mes frères en humanité qui sont dans cette église derrière. Derrière cette voiture, il y a une église où il y a des hommes, tels des penteurs, sont là. Et je recommence, Rilke, son regard, à fortiser les barreaux, s'est tant épuisé qu'il ne retient plus rien. Il lui semble que le monde est fait de milliers de barreaux, et au-delà, rien. La démarche feutrée, au pas souple et fort, elle tourne en rond dans un cercle étroit. C'est comme une danse de force autour d'un centre, où se tient engourdie une volonté poisson, une volonté poète puissante. Où se tient engourdie une volonté puissante. C'est comme une danse de force autour d'un centre, où se tient engourdie une volonté puissante. Et parfois se lève le rideau des pupilles sans bruit. Une image y pénètre, parcourt le silence tendu des membres, et arrivant au cœur, s'évanouit. Rainer Maria Rilke, la panthère, en cage, comme ces lions qui sont à côté. Ces lions du désert marocain qui sont venus chercher un peu d'eau ici en Belgique. Il y en a tant, on a tellement de l'eau qu'on en gaspille. On gaspille de l'eau pour sa voiture, on gaspille là pour son chien, on gaspille de l'eau. Il y a des gens qui viennent chercher de l'eau, ils demandent juste de l'eau et du pain. Et ils payent la TVA, puisque chaque fois qu'ils achètent un pain, ils payent 21% de TVA. La TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Faudra-t-il payer une taxe sur la valeur ajoutée de l'être humain? Ces humains derrière nous, dans l'église du béguinage, faudra-t-il payer une taxe pour que ces gens puissent accéder au pain quotidien de tout le monde? En face, il y a un restaurant, il y a des gens qui mangent tranquillement. Ce n'est pas de leur faute, c'est la faute du système. Le système est vérolé. Il est plein d'amertume. Il est plein de la bière amère que se disputent les buveurs amers. C'est gaucho de droite et c'est nasillon de gauche. Je parle des deux comme de l'extrême. Il est à bannir comme le juste milieu est à adopter. Adoptons le juste milieu. Il s'agit de juste milieurement, au milieu des choses. Octroyer à tout le monde le droit au bonheur. C'est dans la constitution américaine. Les Américains sont nos potes, paraît-il. Sauf quand Bush était au pouvoir. Obama a instauré une taxe sociale. Il a été rejeté par son peuple, avec un Donald Trump. Est-ce que Trump est arrivé en Belgique? Est-ce qu'en Belgique il y a des Trump? Est-ce qu'ils sont là, sont nombreux pour nous tromper? Pour que les pauvres sans-abri, pauvres, très pauvres, parce que moi je déteste ce papier encore qui m'a coûté 21% de TVA. Ces gens qui sont sans papier, sans le droit simple de pouvoir aller
à une commune se marier par amour de ce pays et de toute la diversité que comporte la Belgique. La Belgique, c'est un carrefour, on se rencontre. Et Brel a très bien parlé des flamingants. Les flamingants, on les emmerde. Signé Jacques Brel. Sinon, moi c'est Modeste Kidam Mokhtar. Je vous annonce une belle pluie de mort, malheureusement. Il va y avoir bientôt de la mort ici au Beguinage. À l'église du Beguinage, où il y a de belles personnes qui passent, qui ne font que passer. Je reste ce message. Libérez vos pieds. Soyez libres. Marchez pieds nus dans la rue. Jusqu'ici, au Beguinage. Et venez et regardez de vos yeux. Les ambulances qui viennent, les unes après les autres. J'ai la langue sèche, je vais m'abreuver d'un peu d'eau fraîche. On coupe. Et je vous aime, au revoir.